Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiationphoto.com. Aujourd'hui, c'est une annonce, une vidéo d'annonce, dans le but de vous demander de me poser des questions. Alors, pourquoi ça? Ça fait déjà quelques 6 mois que mon blog existe, je fais des articles en moyenne un par semaine avec pas mal de descriptions techniques dedans. Et ce qui m'intéresse, c'est de réussir à vous donner un maximum de valeur ajoutée à l'intérieur de ceci. Et en termes de fréquence de parution, je trouve ça un petit peu faible. Et j'aimerais développer cette fréquence de parution de manière à ce que à vous apporter plus de contenu, en tout cas plus fréquemment. Et comme le but est aussi pour moi de faciliter cette diffusion, puisque ça prend pas mal de temps, si je le fais sous forme d'article, je me suis dit qu'il serait intéressant de plutôt procéder par des questions-réponses, et ainsi je pourrais être un petit peu plus ciblé par rapport à vos attentes. Donc ce que je vous propose, c'est de me poser des questions. Donc autour des trois thèmes principaux de mon blog, qui sont la photo évidemment, le photomontage et aussi la partie créativité. Comment la développer, comment quoi créer avec ces photos et ces choses-là. Il n'y a pas de questions idiotes, hein, posez-moi n'importe quelle question sur ces thèmes-là, je tâcherai d'y répondre de manière à vous apporter des solutions ou des trucs, astuces assez rapides que je ferai par vidéo sur la chaîne YouTube. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que des questions nécessitent des compléments d'informations un petit peu plus approfondis que ce que je pourrais faire rapidement par vidéo. Hein. Donc, peut-être que je compléterai aussi des réponses à travers un article beaucoup plus détaillé, histoire d'avoir le maximum de choses. Le second truc qui serait intéressant aussi dans cette démarche-là, c'est que vis-à-vis des réponses que je vous proposerai, c'est de ne pas hésiter à commenter en dessous, puisque au-delà de la réponse que je vais faire, il y a certainement des réponses qui peuvent être autres ou des sensibilités qui peuvent différer. Et le fait de commenter et d'échanger en dessous de ces vidéos permettrait de finalement débattre sur le sujet. Et d'échanger nos points de vue, et ça par contre je pense que c'est vraiment intéressant d'ouvrir ce type de discussion puisque finalement, enfin, dans tout ce qui est art, il n'y a pas de méthode, il y a vraiment des trucs, des astuces, mais avant tout il y a des visions, il y a de la créativité, il y a énormément de raisons pour ou contre telle ou telle chose. L'important c'est plutôt d'y voir une solution à pour porter le message que l'on souhaite porter dans ces photos, dans ces images, dans ces photomontages, dans tout ça. Donc l'important vraiment, c'est d'échanger là-dessus, puisque c'est les points de vue, ça va être des petites recettes, des petites choses, qui est vraiment intéressant, enfin qui peut vraiment être intéressant, je pense, à partager et de manière à ouvrir nos points de vue pour réellement progresser dans ces domaines-là. Donc voilà. Alors maintenant, comment procéder? Je vous propose de faire ça de façon assez simple. Il y a plusieurs plateformes sur lesquelles vous pouvez poser vos questions. De toute façon, moi, je serai averti directement, donc je les lirai. Parmi les questions, je procéderai aux réponses dès que je pourrai. Alors la première plateforme, là nous sommes sur YouTube, c'est déjà de poser vos questions en commentaire de cette vidéo là. Posez vos questions aussi sur le commentaire des vidéos de réponses, etc. Que ça s'enchaîne. Au fur et à mesure qu'il y a des vidéos qui sortent, ben, commentez-les et profitez en même temps des échanges et du débat que j'ai changé tout à l'heure. Ben, allez-y, posez aussi vos autres questions, hein, tout est ouvert. La deuxième plateforme, bah, c'est mon blog, puisque finalement, tout est concentré sur le blog qui est l'épine dorsale de tout mon système. Donc, n'hésitez pas à aussi laisser vos questions, alors pareil, soit en,
en commentaire d'articles que j'ai pu faire ou directement par la page contact en direct, puisque ça, c'est aussi une façon de me contacter. La troisième plateforme, c'est Facebook. Donc là, se trouve ma page Facebook et associée à cette page, il y a aussi le groupe de discussion Facebook. Donc là, n'hésitez pas à aussi déposer vos commentaires et vos questions. Et le dernier support, c'est la plateforme Instagram, où vous pouvez aussi laisser des commentaires, vos questions sur les publications que je laisse de temps en temps. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce projet-là. Je suis impatient de répondre à vos questions, de découvrir quelles sont vos questions. J'aurai peut-être pas les réponses à l'intégralité de toutes les réponses, en tout cas je tâcherai d'y répondre avec mes connaissances. Et puis ensemble, à travers les commentaires, eh ben, on complétera tout ça. Pour moi, c'est là où on aura une réelle force de construire cette communauté pour s'apporter des réponses mutuelles et progresser tous ensemble. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne continuation, bonne réflexion pour les questions que vous souhaiterez me poser, et à très bientôt, donc à travers des vidéos ou les prochains articles sur le blog ou sur les prochaines publications sur Facebook et tout autre réseau social. Merci beaucoup, au revoir et bonne soirée.